Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous voyons maintenant l'autre variante de la défense russe, cavalier F3, cavalier F6. Et ici, au lieu de prendre le pion E5, il décide de jouer D4. Notons que d'un point de vue valeur, ce coup est équivalent au précédent. Il n'est ni meilleur ni plus mauvais. Alors ici, les noirs peuvent soit prendre D4, soit échanger sur D4. Donc, avec cavalier prend E4, les blancs continueront alors en harcelant le cavalier au centre, mais avec une très faible initiative des blancs. Et sur D prend E4, donc voyons ça par exemple, fou D3, D5, protège le cavalier. Cavalier prend E5, fou D6, pour chasser ce cavalier. Il est protégé par le pion, donc on peut toujours roquer pour le moment, pour se mettre à l'abri, chacun roque. C4, c'est le meilleur coup pour attaquer le défenseur du cavalier. C6 pour protéger le pion. E prend cavalier C3, etc. Avec un jeu égal, il va y avoir une série d'échanges et le jeu va avoir tendance à vraiment s'égaliser. L'autre variante, revenons au départ. Donc, l'autre variante, 5, cheval F3, donc cheval F6, la partie russe, et donc D4. Et donc, ici, il décide plutôt d'échanger le pion D4. Ça a l'avantage de supprimer la symétrie, avec un avantage blanc, en réalité, mais vraiment minime. Vraiment minime. Donc, E5, c'est le meilleur coup. Cavalier E4. Dame prend D4. C'est aussi un très bon coup. D5. Protéger le cavalier. E prend D6. Prise en passant. Et alors cavalier prend D6. Ce qui permet la retraite du cavalier. Fou G5 attaque la dame. Cavalier C6, c'est la meilleure réplique en contre-attaquant sur l'autre dame. C'est la meilleure des répliques, ce qui donne un jeu vraiment égal pour les deux. Enfin, il y a la dernière possibilité. Nous allons voir brièvement. La partie russe offrant relativement peu de possibilités, il est inutile de trop approfondir. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. Et ici, au lieu d'avancer D4 ou de prendre E5, les blancs décident de protéger leur pion. Et là, pour peu que les noirs sortent leur cavalier, on transpose ainsi directement dans la variante des quatre cavaliers que nous avons vu. Voilà. Et donc ça nous suffira pour la défense russe. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la défense Philidor. Je vous remercie.